Personne. What the fuck? Bien bonjour tout le monde les amis, c'est Titi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Road Truck Simulator 2. Pour un nouvel épisode, aujourd'hui nous allons nous attaquer à la route de la mort. Quand je dis route de la mort, c'est bien sûr la route Calais-Duisbourg. Et oui, ça y est, on va refaire encore un trajet dessus. Alors il risque d'être très très laborieux, mais voilà, on va essayer de s'en sortir vivant. Mais aujourd'hui je ne suis pas tout seul. Alors juste je vais couper la CB 30 secondes histoire que ça ne casse pas les murs. Oui. Hop. Mais aujourd'hui nous ne sommes pas tout seuls, on est avec le simulateur meusien. Coucou, bonjour. Salut à tous. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien, merci. Donc voilà, je l'ai vu sur OTS2, j'ai dit si tu veux venir, tu peux venir, pas de problème. Et après on est d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vont nous accompagner comme le bavard. Que je connais bien, et un autre français, c'est Arlequin, je crois, non, Arquin, ou Arlin, voilà, Arlin. Voilà. Bon, donc ce que nous allons faire, nous allons partir de suite, hein, on va pas perdre de temps. Bon, allez, c'est parti les gars, on y va, let's go. C'est parti. Pas de soucis. Putain, je vais galérer à faire demi-tour. Allez, c'est parti, on va sur la route Calais-Duisbourg, on va essayer de s'en sortir vivant. Alors vous pouvez remarquer que j'ai changé un petit peu de camion, voilà, j'ai changé le camion, je suis reparti sur un Volvo FH. Merde, je me suis un petit peu mal pris, bon. Ah. Attends, j'essaie de... Wow. Qu'est-ce qui s'est passé devant? Ça y est, déjà qui s'est craché. Putain, désolé, quel con. De quoi? Désolé, je sais pas si tu les entends parler de la CB, mais ils parlent qu'il t'a bourré dedans et tout. C'est un peu le... C'est un peu le bordel là. Ouais, ça va ou pas? Meusien? Ouais, ouais. T'as la CB d'activer ou pas? Non, là, je l'ai enlevé. Ah ouais, parce qu'il y en a qui te parlaient, il s'excusait comme quoi tu l'avais rentré dedans. Thanks for the ram, mate. Much appreciated. Voilà, donc ça, voilà, voilà. Donc, pour information, on est à Calais. Et on peut voir que c'est Calais, parce que c'est le gros foutoir. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. C'est le gros foutoir complet. Oh là 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 là. Voilà, bienvenue, bienvenue sur votre accélérateur de multi. On va peut-être passer là. Oh mon... Antonio. Bon, allez, on va passer. Hein. C'est calé, calé, calé. Bon, allez, fais bref. Hop, on est parti. Alors, essayons. On va essayer de faire une bonne moyenne sur cette route, mais je pense qu'on en a pour au moins une heure. Parce que je sens que c'est de la catastrophe. Bizarrement, je sens que c'est de la catastrophe en fait. Je sais pas toi, mais... Déjà ce matin, c'était la cata. Ouais, mais déjà... Oui, j'y suis retourné début d'après-midi aussi, mais c'était un petit peu le bordel. Bon, toi, tu fais rentrer dedans, je l'ai vu en beauté. J'ai vu que tu t'es bien fait un plâtré. Mais moi, j'ai rien eu. Il y a toujours autant de monde ici, hein. Ah, mais ça, c'est calé, hein. Il faut pas chercher, hein. Oh, et je m'en souviens, ça me rappelle avant Rotterdam. ID number 1444, le report de Rotterdam. Mais tu sais que maintenant à Rotterdam il y a plus personne. Ah, il y a plus personne. Non, mais c'est Rotterdam, il a déménagé en fait, tu vois, c'est. C'est Rotterdam qui a déménagé. Shut up, you little shithawks! What the fuck! Y'a un truc qui me saoule. C'est les gens qui râlent des Français à leur puissance. Eh, chez nous, va te faire enculer, ok? Excusez-moi d'être aussi vulgaire, mais quand le mec te fonce dessus pour rien, c'est lourd. Ça donne envie, hein. Ça donne envie. Avec ton Iveco en papier mâché, là.
déjà quand tu roules en Iveco, ma mère, t'as pas le droit de bousculer les gens. Regardez-moi ça. Bon là je parle pas parce que du coup tout simplement il y a des kikous comme ça. Allez, je vais faire une petite queue de poisson. Bon, tu es là, mon hop. Là, on s'arrête pas là. Ça y est, commence à rager. C'est magnifique. Enfin bref. Contre, ça va, Mezen, tu suis Bah, il nous a bloqué là, derrière. Oh putain. Oh, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Alors là, franchement, je sens qu'on commence à taper des barres. Mais je sens que je préfère une compile best-of. Parce que chaque fois que je roule, je le dis pas. Mais je capture à chaque fois, j'active Shadowplay. Et à chaque T'inquiète, moi Arlin, je te vois là. Et à chaque fois je suis le Scania qui te que je capture, par contre, c'est un peu chiant. Et à chaque fois que je capture, chaque... Putain. Et à chaque fois que je capture, chaque fois, il y a des geekos qui se plaintent à beauté. Pas à toi. D'un fossé, etc. C'est magnifique. Non mais je parle à l'ambiance. Ah, moi aussi. C'est énorme, c'est juste énorme. Bon, mais du coup, tu suis pas toi, Mesien? J'arrive là, je suis reparti. Magnifique. Moi, je suis en train de monter sur la route, mais je vais t'attendre du coup alors. Le truc, c'est que là, je suis au clavier, donc pour la route de Rotterdam, ça a problème. Moi je suis au volant, c'est l'obligation. J'ai un problème là, avec mon volant, il y a le logiciel qui ne peut pas régler le champ d'action et c'est ça. Ça c'est chaud ça. Bon, je vais arrêter de rester sans rien dire parce que du coup en fait je suis en train d'écouter mais je suis pas en train de parler. Bon, on attend Mesien tranquillement. Et après on va partir. Allez. Il y a un panneau de collègues qui est cassé. On va essayer de. Pas mal, non? Première fois, c'est les gars, je vais éteindre la CB parce que ça devient trop le bordel sur ma radio en fait. Vu que je suis en train de capturer, je suis obligé d'éteindre. Soucis. Merci. Pas de soucis. Hop, on éteint la CB. Voilà, donc tu me dis quand vous arrivez. Hein. Moi j'arrive derrière toi, après les deux autres, je sais pas où ils sont. Regarde-moi-le l'autre! Regarde-moi-le! Ah t'es là. Allez on y va, c'est parti. Allez on est parti pour une route au Kettisburg, on va allumer les phares tranquillement, voilà. Donc là c'est le début un petit peu laborieux parce que voilà c'est déjà... Et on est combien sur le serveur d'ailleurs? On est combien? On est 3100 sur 3500. Donc vous imaginez un petit peu la chose. Il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde. Donc il y a moyen de rigoler. Il y a moyen de rigoler. T'avances toi devant, comment ça se passe? Allez, allez. Avance un petit peu mon petit coco. Je sens que les parties accélérées vont être de rigueur sur cette vidéo. Parce que tout simplement, sinon on en a jusqu'à 36 000. Sinon on en a pour un moment. Alors on peut voir qu'il y a du monde qui me suit, vous voyez là il y a tout le monde qui me suit, il y a Mesien, il y a Le Bavard et Arlin qui me suivent. Donc c'est pas, ils sont pas dans la vidéo, hein, c'est pas du tout par rapport à ça. Putain l'autre 33 Nokia 3310 quoi, je te s'il te plaît quoi. Non mais c'est surnom. Putain Nokia 3310 quoi. L'intelligence, mais s'il te plaît. Mais s'il vous plaît là j'ai arrêté. Oh putain. Non, les deux, donc Le Bavard et Arlin ne sont pas avocats là, avec moi sur Discord, parce que je suis sur Discord actuellement. Voilà, c'était juste parce que je les ai rencontrés en jeu, et voilà, j'ai dit si vous voulez me suivre, vous voyez pas de soucis. Ça fait toujours plaisir de faire la route à plusieurs. Mais bon, à part Mesien, que Mesien, voilà, ça faisait un petit moment que maintenant on se connaît, pas final. Voilà. C'est moi, c'est toi qui... C'est moi ou une voiture derrière moi là? Ouais, ouais, elle m'a coupé la route pour passer. Ouais, mais si elle me coupe la route, tu vas voir. Je vais m'en charger personnellement. Allez, on va essayer d'arriver... Putain... On va essayer de faire cette route en essayant de pas avoir de dégâts. Je dis bien essayer, mais je pense pas qu'on va y arriver. Parce que vu le monde qu'il y a sur la route, il y a de fortes chances qu'on arrive à se crasher. Après, je dis ça comme ça.
Allez, on est parti. On roule. Pour l'instant, ça va. Hein. Je sais pas toi, mais pour l'instant, ça va plutôt bien. Moi, pour l'instant, ça va. Ça roule bien. Mais il faut savoir que là, on est au début de la route. C'est surtout vers le milieu que ça bloque le plus. Bon, ça vient de se cracher, là, encore. Fais gaffe, il y en a un qui roule complètement de traviole. Alors, c'est cette route, on voit de tout. On voit des gens qui se crachent, des gens qui coupent les virages, des gens qui savent... qui font des deux roues de la mort qui tue. Alors, on voit de tout. On voit de tout sur cette route. voilà. On n'est pas déçu. Franchement, on n'est pas déçu. Mais non, non, c'est vraiment le bordel sur cette route. C'est vraiment le bordel. Alors toi... Merde. J'ai pas cette traction. Demain, je suis trop lourd. Si j'aurais un peu plus de... Si j'aurais un peu moins de poids, j'aurais pu le doubler. Bon, c'est pas grave. Ah, franchement. Je la fais tous les jours pratiquement, cette route, pour votre information. Je le fais... ouais, je le fais pratiquement tous les jours. Quand j'ai le temps. Mais le problème, c'est que voilà... on a beau la faire tous les jours. Mais même en la faisant tous les jours, on voit toujours des kikou. C'est ça le truc. Moi je pensais qu'en fait les admins ils auraient banni au fur et à mesure les kikou qui arrivaient. Mais en fait t'en as tout le temps. T'en as tout le temps. T'en as qui partent mais t'en as d'autres qui reviennent. Et ça fait que ça, ça fait que ça. C'est génial, c'est magnifique. Alors lui par exemple, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il branle de l'autre côté de la route. Ouais, comment il a fait pour aller là-haut? Je sais pas comment il s'est démerdé mais il était allé fleur quand même. Il a dû voler je pense. Bah celui-là aussi, derrière le mur. Alors t'en as qui sont de l'autre côté du mur. On se demande pourquoi. Et ça c'est multi de test 2, ça. C'est tellement stable que dès que tu rentres à quelqu'un, tu voles systématiquement toi. C'est au truc, voilà, c'est un truc. Mais c'est marrant, c'est kiffant. C'est toujours marrant de voir des crashs comme ça, c'est toujours plaisant. Allez hop. Pour l'instant, ça avance plutôt bien. D'ailleurs, j'ai pas dit qu'est-ce que je transportais. Alors, je transporte de l'arsenic. Alors, je sais pas trop qu'est-ce que c'est. C'est comme une sorte de combustible, un truc comme ça. Je pense un truc radioactif, un truc comme ça. Je sais pas trop. Ouais, je pense. Ouais, un truc comme ça. Donc, je suis quand même chargé à 23 tonnes. Donc, ça paraît lourd. Mais bon, j'ai quand même 750 niveau traction. Donc, ça fait plutôt... Voilà, niveau puissance moteur, pardon. Donc ce qui est suffisant, voilà, c'est... Si j'aurais eu mon DAF, j'aurais un petit peu plus galéré. Mais là, ça va. Et là, ça va tranquille. Alors par contre, non, pour l'instant, ça va, ça bug pas. Alors, quand il y a beaucoup de monde sur le serveur, les pings ont tendance à monter. Attention, ça freine devant. Ça a tendance à monter parce que tout simplement il y en a qui bug. Plus il y a des gens qui bug, plus les pings augmentent sur le serveur. Et là apparemment ça a l'air d'être stable. Ce que je vois. Hein. Tu bugs pas toi ce que je vois? Non, moi c'est fluide. C'est fluide, hein, c'est fluide, c'est fluide. Les deux autres ils suivent derrière, c'est parfait. Pour l'instant on s'en sort bien. On s'en sort bien. Va-t-on survivre à cette route? Je me pose la question. Moi aussi, parce que j'ai jamais de chance sur la route là. Personne n'a de la chance. Tain, voilà, ça commence déjà à bloquer, mais ça c'est le passage à niveau. Allez, déjà premier bouchon de la soirée. Et l'autre il va doubler tout le monde. Ah voilà, voilà, ça c'est le genre de comportement. Non, non, non. Et voilà, maintenant il tente de se rabattre. Merde. Aïe. Ouf. T'as une voiture qui me te rentraîne dedans. Et voilà, et voilà, et voilà. Qu'est-ce que je disais? Maintenant, ça devait être bordel. Voilà, voilà, voilà la débilité des gens. Voilà. C'est beau, hein. C'est beau, hein. On est bien bloqué maintenant. Voilà, bah là on est bloqué. Et ça se débloque. Ça se débloque.
Non, oh, il y a encore le passage à niveau. C'est bizarre, mais ça bloque tout le temps ce niveau-là. Parce qu'en fait, il y a un plein qui dépasse comme des tarés. Oui, puis au final, ils sont bloqués avec le train. Alors... C'est ça. Ah, je te jure. Allez, là, il y a le train. Hop là. Maintenant c'est bien parce que du coup maintenant les trains ils sont synchro par rapport au multi. Et ça c'est bien. Pour tout le monde c'est synchro. Qu'avant c'était pas du tout synchro. Et maintenant comme c'est synchro, ben maintenant t'as tout le monde qui s'arrête quoi. Tu peux pas passer quoi. Et ça c'est bien cool. Ils ont fait une belle amélioration sur ça. Ah le bordel, le monde qu'il y a, mais laisse tomber quoi. Non, on est déjà 39 là. Ah ouais, mais ça se peut. Ouais, on est 40 quoi. Attention, ça freine devant. Oh là là. On va y arriver les gens, ne vous en faites pas. Allez, on est au milieu du trajet les amis. On est au milieu du trajet et mais ça bouge toujours, voilà. Ça bouge toujours. Derrière, est-ce que ça suit? Oui, c'est toujours. On va réactiver la CB pour voir s'il n'y a pas trop de bordel. Les sachant que dans une mission d'environ 500 km, tu peux rentrer. Rentrer dans 4-5 fois, donc ça pas mal de voilà. Oh, hier soir j'ai fait une mission de 1300 km. Je me suis même pas fait rentrer dedans une seule fois. Et continue à parler entre eux. Du coup, allez, avancez, bordel de merde. Regardez-moi ça. Bon, ça va encore, c'est pas trop le bordel. Je pensais que ça aurait été pire. Franchement. Il va où l'autre avec son camion là en haut? Je sais pas qu'est-ce qu'il fout. Mais en tout cas, je crois qu'il est bien posé le gars. J'essaye de passer, ne vous en faites pas. Regardez-moi ce... Ah, lui il est bien là-bas sous le pont, il est tranquille lui. Oh là. Fais peur lui. Oh là 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 là. Voilà, Calais-Disburg les amis. Alors je pense que vous le savez, il y en a qui ont dû le faire, mais je voulais le refaire un petit peu, voilà, pour donner. Bon, je le refais, mais je voulais le faire en vidéo un petit peu, voilà, pour... ça peut être marrant. Putain que tu l'es. Ouh le camion, ouh le camion, ça sent mal pour le camion à côté là-bas. Il est
vraiment posé, gars. Hein. Il est vraiment posé, tu es posé. Un tir qui bloque devant. Je me fais rentrer dedans d'arrière. Oh là là, regarde le monde qui arrive. Oh la vache. Oh là là, ça c'est du bouchon les amis. Ça c'est du bouchon. Il faut quand même que je suis quand même descendu à 20 FPS en jeu. Contrairement à 55. Parce qu'il y a tellement de monde que du coup mon jeu n'arrive pas à suivre. Mais c'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Le jeu n'arrive pas à suivre. Regarde la voiture devant. La voiture devant, elle a les roues qui tombent pratiquement dans le vide. Donc c'est-à-dire qu'il bug. Il est en dessous de 10 FPS en fait. Pour votre information, dès qu'on descend les 10, en dessous de 10 FPS en jeu, on bug sévère, on bug beaucoup. Et du coup, on le voit sur les personnes. On voit les personnes qui bug en dessous de 10 FPS. On voit que les roues tournent dans le vide pratiquement. Elles tournent plus vite que ce que tu avances en fait. Donc ça veut dire que t'es en dessous des 10 FPS. Et lui, le gars de devant, il est à moins de 10 FPS. Ça, c'est sûr et certain. Putain ! Parce que, vu le rollback que je me suis mangé. Elle était... Attends, j'essaie de redémarrer. Bah, j'ai que pris que 10%, ça va, mais... Ah, il était violent, hein. Oh, putain. Ça va, derrière ? Ouais, ça va, j'ai eu le temps de freiner, moi. Putain. Surtout, il était loin devant moi, et d'un coup, pouf. Voilà, il faut se méfier des gens qui bug comme ça. La preuve, la preuve. Allez, c'était un joli rollback, hein. Putain, joli. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a les deux qui nous ont quittés, là. Ouais. Le bavard et Arlin, ils partaient pour Bruxelles. Ouais, j'allais dire, ils étaient derrière moi, là, sous le pont. ils sont partis à droite. C'est pas grave, nous on continue. Allez, on est sorti du merdier, enfin. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Putain, ça sera un petit vent. Ah, on est retourné à 50 FPS, ça fait plaisir. Ah, je suis quand même à 50 FPS, là quand même c'est beaucoup mieux, ouais. Ouais, parce que moi j'étais à 16, hein. Dans le. Et t'es à combien bouchon. Là Là je suis à 52. Ouais, voilà, c'est comme moi quoi, moi je suis à 50-56. Ouais mais bon après ça change suivant les graphismes, mais enfin suivant les trucs et tout. Mais bon je stack toujours aux alentours de 54 à peu près. Donc c'est très bien. Allez. Par contre vu le gars qui arrive devant derrière toi, je crois qu'il va doubler comme un dératé. Ça y est, il est passé, il double là. Non non, il se rabat, il y a des gens qui arrivent en face. Moi l'autre. La vache. La vache. Mon dieu. Voilà, ça c'est un permanent. Mais c'est un peu ce genre de conduite. Attention. Il a un rollback. C'est ce genre de personnes qui foutent le bordel en fait. Parce qu'ils veulent qu'ils veulent dépasser quand même malade. Mais le problème c'est que quand ils dépassent les 3/4 du temps, il y a quelqu'un qui arrive en face. Et après ben ça fait ben ça passe pas, ça fait boum hein. Ah, surtout sur la route là, il y a tout le temps du monde en face. Ben oui. Tiens, regarde, voilà un bon exemple devant. C'est passé tout juste. L'autre qui roule sans feu au KLM. Mais s'il vous plaît les gens, mais allumez vos feux putain. Et après on s'étonne qu'il y ait d'accident quoi. Ah voilà. Voilà. Voilà, regardez devant. Attention, ça freine, ça s'arrête. Alors toi, pas question que je te laisse passer toi. Allez, on escape bien la bagnole. Voilà. Ah,
Voilà la mentalité. Hop là, je me suis trompé de touche. Tu vois la mentalité des gens? C'est abusé. Ouais, c'est que ça de toute façon. C'est que ça, voilà. Mais c'est ça le problème. C'est bien le multi, mais le problème c'est que tu vois, il y en a beaucoup que tu vois que j'ai entendu dire qu'ils arrêtaient de jouer au multi, etc. Parce que il y avait trop de Kikou. Mais ils ont pas tort. Ils ont pas tort. C'est blindé de Kikou. Regarde lui par exemple. Parce que la route là, il y a du monde, mais tout le monde roulerait comme il faut, ça passerait. Hein. Ah bah oui, ça passerait. Hein. Je les enlève les Kikou. Si tout le monde ne doublerait pas comme des dératés comme certains font actuellement, il y aurait pas de problème. Comme par exemple les Turcs. Les Turcs qui dépassent comme des fous. Mais vraiment comme des fous, ils passent vraiment comme des barjots. S'ils enlèvent ces putains de Turcs, eh bien, déjà, il y aurait moins d'accidents, ça c'est sûr certain. Non mais c'est vraiment les Turcs. Les Turcs c'est les pires. Les Turcs... Moi j'ai des mauvaises expériences avec les Turcs. À chaque fois, les trucs à la temps, c'est toujours un Turc qui me rate dedans. Toujours. Alors je sais pas combien il faut pour conduire, je sais pas comment ils conduisent. Je sais pas s'ils ont pas de route chez eux. S'ils ont appris à conduire des inquiéteurs surprise, t'as un autre qui roule sans feu. Je sais pas comment ils se démerdent, mais en tout cas, c'est vraiment des dangers publics. Déjà, ils conduisent comme des croupiers. Ils ont une connexion de Pakistanais. Non, mais laisse tomber, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est le gros foutoir. Allez, on y est presque, les amis. Donc, la cargaison va s'arrêter, bien sûr, à Duisburg. On n'ira pas plus loin. Je pense que ça suffira pour la vidéo. Non, non, c'est fait! Putain! Il va où, lui? J'ai failli me faire entrer dedans, tu vois. J'ai failli me le prendre si j'étais dans l'herbe, du coup. Sérieux? Ouais, mais j'ai dû aller dans l'herbe. Putain! L'autre, il est très très bien garé. Après, je vais pas critiquer tout le monde, mais voilà quoi. Mais les trois quarts des gens, ils conduisent comme des gros pieds. Mais c'est abusé. Merci les 88. Ah, il y a merci les 88. Sérieux? Moi, je le vois pas dans le chat. Alors, il est planqué sur un pseudo. Un belge, tiens. Petite pensée à Hello. La super belle eau. Oh là, oh là, il y a du mouvement devant, il y a du mouvement. Oh, il y a eu un accident là, il y a eu un accident. Ah, c'est de Dieu. Mais je le connais, c'est le Gaming. Je le connais. Je le connais, le Gaming. Allez. On continue, Tom Nickmal. Oui, je parle pas beaucoup parce que tout simplement... Ah si, si, merci les 88. Mesien? Ouais. Ah, je t'entendais plus. Bizarre. Ah si, si, il a raison, merci les 88. Il est de nouveau sur le multi, je viens de le revoir. Ouais, je le vois là. Ah ouais, je viens de passer. D'ailleurs, une personne qui fait... Alors, c'est... Pour ceux qui connaissent pas merci les 88... C'est une personne qui fait des vidéos comme moi sur le test 2, mais qui fait des vidéos sur les idiots, tout simplement. C'est-à-dire qu'il roule, et roule, 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 il fait que ça. Et dès qu'il veut un kikou, ben, tout simplement, ben, il enregistre. Et tout ça, il enregistre toutes ses sessions de jeu. Et dès qu'il veut un kikou, ben, tout simplement, attention, une voiture qui roule dans l'herbe. Je l'ai vu dans le rétro, c'était magnifique. Le vol plané que j'ai mangé. Oh putain. Ah, le vol plané que j'ai mangé la bagnole, laisse tomber, quoi. Ah, je l'ai vu dans le rétro, c'était magnifique. Magnifique. Non, on n'a pas pu fermer. De toute façon, vu comment elle roulait, je pense que c'était sûr que ça allait faire ça. What the fuck? What the fuck? Voilà, le saut qu'il a fait, le camion. What the fuck? What the fuck? C'est quoi ce bordel?
Oh mais arrête putain, mais le Volca fout le camion, mais laisse tomber quoi. Ah bah il était droit devant nous. Oh là 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 là. What the fuck? Regarde le Mercedes. Qu'est-ce que c'est, lui? Regarde ce Mercedes, putain. Dès qu'il accélère, le camion... Mais what the fuck? T'as vu le Mercedes comme il faisait? Ah, dès qu'il accélère, il se lève, le camion. Oh putain de merde. Mais c'est quoi ce bordel? Mais t'as vu comme il levait le camion, mais laisse tomber quoi. Ah mais il levait carrément le truc hein. Ouais, oh, j'ai plus le sol le machin. Oh mon dieu. Ah oh, putain. C'est complètement what the fuck hein. On va pas le cacher hein. Eh, hey, c'est sur ma voix. Enfin, on voit tout là. Ah là là. Allez les amis, on va pas tarder à arriver. Après c'est avec ce moment d'émotion. Hein. Ce moment complètement what the fuck du camion qui. Alors là le camion il a volé mais c'était juste magnifique. On n'aurait pas pu faire mieux, franchement. Moi franchement j'aurais pas pu faire mieux, toi-même tu sais. Je suis pas capable de faire quelque chose comme ça. Je suis pas non, capable. Ça m'est jamais arrivé encore. Ah oh ben moi j'ai essayé mais j'ai jamais réussi à voler haut comme ça. Il a dû se manger un putain de rollback là parce que... comme il a volé c'était méchant. Hein. Le camion qui fait une deux roues tranquillement au KLM. Putain. Coup de sniper, pouf. Headshot. Putain. La voiture qui s'est bien mangé le bas côté. Voilà, non non là tôt, non non là là il y a du level, là il y a du level putain. Là là il y a un joli level là, on va pas le cacher. Bien garé celui-là encore. Je confirme. Allez, on va y arriver quand même, on va y arriver. Bah mais finalement ce sera pas trop bien sorti. Ouais c'est pas mal là. Toi t'as chopé tes dégâts toi? Bah oui tu m'es rentré dedans. Ouais un petit peu. Et moi j'ai 14% de dégâts, donc j'ai même pas le truc visiter l'atelier. Moi j'ai que 16%. 14 hein. Donc, je m'en sers bien. Bon mais je pense qu'on est sorti vainqueur. Alors je pensais pas du tout qu'on allait réussir à passer. Vu le monde qu'il y avait, j'aurais pas pensé non plus. Fait passer avec aussi peu de dégâts surtout. Je pensais pas que j'aurais réussi à faire ça. Franchement, je n'en reviens pas. Voilà, je suis tout étonné. on s'améliore les gens. Allez, on va s'arrêter à Duisburg. On aura fait la route en entier et ça a plutôt bien roulé. Contrairement à certains jours où ça bloque vraiment beaucoup. Et là il n'y a pas d'admin, hein. Pourtant il n'y a pas d'admin, ça a pas kick, mais ça a bien roulé. Malgré le monde. Franchement c'est pas mal, c'est pas mal. On va arriver à Duisburg. Nickel. Voilà. Donc voilà, Calais Duisburg, voilà en gros c'est ça, mais après ça peut être c'est différent. Il y a des jours où c'est très très calme. Bon, les jours très calmes, non ça n'existe pas, c'est-à-dire que si vous y allez le matin par exemple, là c'est calme. Hein, il y a vraiment aucun problème. Quand vous y allez dans l'après-midi, c'est comme ça tout le bordel, mais le soir, oubliez complètement. Le soir, oubliez complètement, parce que c'est vraiment le gros dawa. Surtout que là, en plus, c'est le week-end, donc là, surtout que là, je tourne le week-end. J'ai rien dit, hein, admin. Surtout que là, le soir, vu qu'en plus, c'est le week-end, donc il y a beaucoup plus de monde, alors on imaginait même pas le foutoir. On se demande comment les admins ils font pour kick tout le monde, quoi. Comme il faut pour tout voir, je sais pas comment ils se démerdent. Ouais, c'est là, il y a du monde, il y a des trucs à bannir. Il y a surtout du kikou, oui. Un joli, t'as un autre qui bug bien, tiens.
Où est-ce qu'on va aller? On va aller sur Malotel, hein, Mazia. Ouais. Wow! What? Oh là 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 là! Tiens, le GTX 960, là, je l'avais vu tout à l'heure, là. Je crois qu'il a, il a dû se faire cracher dedans. Ouais, je pense. Oh mon dieu. Le temps que j'ai pas le truc visite service sur le tableau de bord, c'est que c'est bon. On peut rouler. Wow, 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 wow. Oh là là. Ça commence déjà à devenir un peu, hein. On va essayer de se sortir de ce merdier. Alors lui bug totalement. Regarde comment les roues tournent. Il bug complètement. Il va chercher alors sa bouche. Oh, mais on est bloqué là. Bah il y en a un à côté de moi, il avance pas, je sais pas pourquoi. On va essayer de passer entre. Ça passe. Alors, l'autre il est bloqué devant, magnifique, il est sur le côté. Ouais, la voiture elle est passée sous la remorque. Mon dieu. Ouh, lui il me plaît pas lui. Ah lui il bloque bien, tiens. Ah, si ça passe. Allez, on va se garer. Et on va s'arrêter là sur cette vidéo. Mais je pense qu'on en aura assez fait. Pour aujourd'hui, allez, je t'attends, Mesian. Vas-y, viens à côté. On va peut-être faire la photo de fin. Ah, ça y est. Du kick. Ah, ça fait plaisir. C'est-à-dire que l'autre à l'entrée me bloque un peu. Pas sur le côté, et après quand tu seras en... Ah ben, il avance. Ah, c'est bon, ça passe. Je te laisse garer. Il y en a un qui vient de spawn tranquillement juste à côté. Ouais. Après voilà, les gens qui spawnent, moi franchement je suis pas contre. Attention, il faut bien spawn quelque part, mais voilà, quand c'est pas sur la route, quand c'est pas que ça gêne, voilà, quand c'est des zones de collision comme ça. Ouais, ça va, des fois c'est sur la route en plein milieu. Voilà, là par contre je commence à gueuler, mais là non non non, sinon... Tu peux pas te serrer un peu plus? Serre-toi un peu plus de moi là, parce que sinon je vais faire la photo d'eux en fait. Vu qu'il y a l'autre mongol devant en plus. Là, parfait. Hop, prendre la photo. Voilà. Magnifique, c'est de la boîte. Bref, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci à toi Mesian d'avoir suivi. De rien, merci à toi de m'avoir invité. Bah écoute, y a pas de problème. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. Donc, rassurez-vous, je ne ferai pas tout le temps cette route. Voilà, donc à la base, voilà, il y a la cargaison, elle est jusqu'à Frankfurt, mais bon, je l'ai pas faite, et puis c'est tout. Merci à tous, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao tout le monde. Salut à tous.